Yo tout le monde, c'est Christian8705 et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Je suis vraiment très heureux de vous proposer enfin une vidéo sur ce jeu. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo en live sur Call of Duty Black Ops 2. Pour ça, je vous montre mes classes: MTAR, Vector, SWAT, 870 MC, DSR50. Oh putain, je me retrouve tout seul. Ah, ça c'est chiant ça. Bon bref, c'est pas grave. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un nouveau concept que je vais installer au début de Black Ops 2, car il va être très rapide, ça va durer un ou deux épisodes. Je vais tout simplement faire tous les parties en groupe. Alors pour ceux qui n'ont pas Black Ops 2, je sais pas si ça s'appelait comme ça dans Black Ops premier du nom. Partie en groupe, en fait, c'est quoi? C'est jeu d'armes, une balle chargée, tireur d'élite et caillou bâton. Je tiens à préciser que jeu d'armes, je l'ai déjà saigné. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà bien saigné. Je sais à peu près quand est-ce qu'arrivent les armes. Une balle chargée, j'y ai pas touché. Tireur d'élite, j'y ai pas touché. Et caillou bâton, j'ai fait 2-3 parties. Alors je voudrais aussi m'excuser pour ma voix cassée. Je peux me justifier, hein, ma voix cassée tout simplement, parce que j'ai eu un match de rugby à Cahors, donc à 3 heures de route, et j'y étais en bus, donc les ambiances dans le bus, ben, le lendemain on n'a plus de voix. Donc je suis vraiment désolé pour ma voix, mais je suis... Putain, comme d'hab. Chaque fois la connexion. Bon, c'est pas grave, on va pas rager, c'est un super jeu. Je vous parle de Black Ops 2, moi ce que j'en pense, mon ressenti. Donc, putain, mais... Il m'a mis une rafale, bien joué à toi. Je pense que c'est un jeu vraiment génial. C'est vraiment un super jeu, il y a moyen de s'éclater dessus. Putain. Ah, là. Précision. C'est quoi, je te tue? Putain. Regardez les quêtes de Black Ops 2. Ah, t'as été con là. Bon, alors je passe aux Akimbo. C'est vraiment un super jeu. Pour l'instant, au début du jeu, c'est vrai que la communauté campait un peu. Oh putain. La communauté campait un peu, mais maintenant elle rush là. C'est bon, elle a le jeu, elle s'est habituée maintenant. La communauté est plus rusheuse. Donc là, je prends une très grosse tôle, il prend pas ses balles. Putain, je l'ai gagné la dernière fois que j'ai joué sur cette map là. J'ai joué tout à l'heure sur cette map là. En jeu d'armes, j'avais un retard de 8 là, comme ça, j'avais remonté, j'avais gagné la partie. Sauf que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de niveau en face. Ouais. Oh putain. Voilà, là où j'ai le plus de mal, c'est avec ça, l'exécuteur. J'arrive vraiment pas à jouer avec. Faut savoir que Black Ops 2, j'ai vraiment du mal à y jouer. Même si là, maintenant que ça campe moins là, j'ai fait quelques bonnes parties là. J'ai fait une très bonne partie tout à l'heure, là j'étais chaud. J'enchaînais les frags. Donc là je vous fais cette vidéo. Je pense que tout de suite l'après-midi même aujourd'hui, je vais en enchaîner une autre pour pouvoir vous en upload deux par semaine. Oh putain, je vais vous en enchaîner une autre en live aussi, en domination, dans le mode de jeu que je joue le plus. Mais bon, après ça c'est pas sûr encore que je le fasse. Allez, prends. Oh, fichier, bien joué à toi. Ah ouais, il est déjà... J'espère qu'il va bugger au couteau balistique, comme beaucoup. Shot. Alors là, cette arme-là, faudra que je regarde. Si... Oh, putain. Si c'est un... Par contre, allez, il me fait penser. C'est pas très très puissant. Ah, la M27, ça c'est énorme, énorme. Si vous avez Black Ops 2,
vous n'avez pas encore joué avec cette arme, je vous la conseille. C'est vraiment une arme noire. Je n'ai pas encore débloqué, mais des fois je vais. Je joue même dans les classes standards car elle y est. Et je vous avoue que c'est une super arme, celle-là aussi. Celle-là, j'y joue en jeu d'armes. Voilà. Ça arrive. Putain, ils sont déjà au bazooka, quoi. Je pense que je vais vous faire deux parties par mode. En live, toujours. Hein. Toujours en live. Alors là, c'est le détecteur de cible. Ça me fait marrer, ce truc. Moyen de se taper des bons délires avec un mec. Désolé de pas avoir visé pour vous le montrer. Même si... Je pense qu'il y a suffisamment de vidéos qui sortent sur YouTube pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis complètement con. Ah, il y en a déjà un, il est déjà au couteau, donc... C'est pour ça que je vais faire une autre partie. Ouais, il va le buter, celui qui est là. Je parie que je me fais buter. Oh, pas le temps. Dis donc. Ah, putain, mais... Il y en a, ils sont déjà à prestige 2 ou 3, là, le bonhomme vert, là. En plus, il a l'air bronze, ça va être chaud. Boum. Bien joué. Donc, je vais faire une deuxième partie. Je pense que ce sera deux parties par mode. Il y a moyen, hein. Même ça se trouve, si la partie dure aussi longtemps que celle-là, je pourrais carrément faire une petite vidéo de 20 minutes. Une vidéo de 20 minutes. Non, pas tout de suite. Une vidéo de 20 minutes en... Une vidéo de 20 minutes, oui. Ça, j'arrête pas de le dire. En faisant une belle chargée tout de suite après. Donc, voici mes classes. La mitarque est vraiment une arme énorme. J'ai joué le peu que j'ai joué avec et je l'ai commencé. Je peux pas la lâcher. Niveau d'arme 6. Alors... Ah, c'est une mitraillette, le Chicom. Oh là là. La Vector, je l'ai mis il y a pas longtemps, mais je suis pas mal avec. Celle-là, faut vraiment que je l'utilise, parce que elle est déjà niveau d'arme 2, alors que j'y ai pas touché. Je la ramasse par terre à chaque fois, je fais des belles petites curées. Alors la SWAT, c'est vraiment une arme que je vous conseille. Elle est vraiment géniale. Le W70MC, c'est pareil, hein. C'est un fusil à pompe. Rien à dire. Après, il y a le S12, mais il me fait plus penser à un AA12 un peu plus puissant. Et on a le DSR-50 en snipe, le bas. Pour moi, je l'identifie au barrette. Je suis vraiment désolé pour ma voix, mais j'y peux rien. Alors, Plaza, superbe map. C'est là où j'ai fait ma petite tuerie tout à l'heure. Pour l'instant, mes maps, je les ai pas toutes testées. Je vais avoir Nuketown normalement 2025 bientôt. Je les ai pas toutes testées. Mais... Plaza, en fait, je l'adore. Turbine, je pense que ma map préférée pour l'instant, c'est quand même Turbine. Je trouve qu'elle est super bien faite et tout. Putain. Oh là là. C'est le mec, là. Oh. Ah non, il est parti. Il est parti, le prestige, je sais pas combien. Ok, déjà, il y en a un, il est là. En jeu d'armes, j'ai l'impression, en jeu d'armes, caillou bâton. Il y en avait un, il campait là la dernière fois. Putain, je me fais violer. Il serait temps que je me concentre un peu là et que je fasse du kill là, parce que là je suis mauvais là. C'est dur de se concentrer et de parler en même temps. Voilà. Enfin, one shot. Ok. Ouais, t'as raison, prends pas. Prends pas. Ça serait con que ma manette tombe en rad. Ok. Alors là, putain, l'exécuteur. Oh là là. Il est pourri, cette arme. Putain, voilà. C'est vraiment une arme de merde. Alors aussi, je tenais à vous dire que je vais vous proposer beaucoup de Black Ops 2, mais pour l'avenir de ma chaîne, il n'y aura pas que du Black Ops 2. Il y aura normalement un jeu que vraiment un coup de cœur énorme. Depuis, je suis le basket à fond. C'est NBA 2K13. Je vous ferai quelques vidéos, mais pour pas faire un peu pareil que Code Jordan. J'en ferai pas autant que lui, j'en ferai une tous les deux mois.
tous les mois, enfin je fais pas beaucoup, car NBA 2K13, c'est un NBA 2K, c'est un peu le truc de Coach Jordan. Donc j'aimerais pas qu'on m'accuse de plagiat ou quoi que ce soit. Parce que après tout le monde va dire ouais, copie et tout. Alors c'est vraiment un jeu que j'adore, NBA, même si je suis nul à chier. Je sais pas comment il fait d'ailleurs pour être aussi fort. Mais je crois qu'il joue depuis longtemps. Mais... Oh putain. Elle est marrante cette arme, j'aime bien. Prends tes balles. Merci. Oh putain, bien joué. Oh le scorpion, merde. Il est déjà mieux que sur Black Ops 1er du nom, le scorpion. En même temps, il aurait fait aussi. Ça aurait été le même. Je dois avouer que. Putain, mais. Ah, ok. Ça, c'est une mitra. Putain. M27. Ce viseur, en fait, je le trouve vraiment sympa. J'avais peur, mais je le trouve sympa. Il est pas exagéré, franchement. Il y a aussi du Medal of Honor Warfighter qui risque d'arriver, même si je vous avais vu que ça fait longtemps que j'ai pas touché. Oh putain, bien joué. Alors je suis à 1 kill du premier. C'est pas mal. Oh putain, t'as pas pris. Ah grave. Voilà, je suis 3ème. Le premier est en train de bien jouer. Moi je suis avec ma petite M8 A1 que j'aimerais trop débloquer. Je sais pas quand est-ce qu'elle se débloque. Je crois que c'est assez tard, en plus elle est pas mal. Oh putain, c'est bien. Ça c'est. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois pas que. Je me souviens plus si sur M2E3 c'était présent. Il y a eu quelques changements de jeu d'armes. D'une c'est 20. Il y a 20 A. C'est plus 18. Et. Oh. Là il m'a bien aidé. Oh putain, on fait chier. Je crois qu'on va finir 3ème cette petite partie, c'est déjà mis tout à l'heure. J'aimerais au moins vous montrer le sniper sur le nez. Oh putain, mais. On prend pas. Ce qui m'a étonné, je fais même pas un seul hit marker quoi. Il prend aucune balle. Fuck off. Putain, mais ils sont où? Et voilà, ils sont là. Il y en a déjà un qui est au bazooka. Putain, je suis quatrième. Bon, ça serait bien que je me réveille. Ah, enfin, t'es mort. MK48. Je dois avouer que les fusils mitrailleurs, ils ont un énorme travail de fait, je trouve. Je trouve que les fusils mitrailleurs, c'est plus... pour faire de la figuration. Avance. Sur un 2-3 et tout. À part la PKP Pêche-Net que j'aime bien. Putain, il est nul cette arme. Alors il y en a déjà un qui a l'arbalète. Il sort. Oh putain, enfoiré. Bien joué. Avec cette lunette de merde. Oh là là. On va me surprendre par le côté comme là. Il y en a un qui arrive. Oh putain. Mais je suis vraiment trop con. Comment offrir le couteau balistique à un gars, ouais. Putain, mais je joue trop mal. Waouh, one shot. Il est mal. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là. Oh, ça c'est énorme. Ah, le sniper sans lunettes. Oh là là. Ça y a moyen de faire des massacres. Ça, je suis sûr et certain. Alors, je pense que gagner la partie va être dur. Mais c'est pas impossible. Ouais, il est déjà au couteau de balistique. Depuis un bon petit moment, le coco, et je me suis fait défoncer. Donc là on est à 15 minutes de vidéo. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Alors que je suis sur la killcam, putain. Chier.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces verts. Moi, ça a été un réel plaisir de la commenter. La prochaine vidéo, ça sera soit un live en domination ou la suite de ce projet. Donc franchement, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis ciao tout le monde. Allez, à plus.